Eh bien salut tout le monde, c'est Finky, on se retrouve pour une vidéo sur du Minecraft et je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Starscraft alias DJ Stars pour ceux qui ont déjà entendu parler de lui sur ma chaîne. Salut tout le monde. Et donc là comme vous pouvez le voir, je suis sur un truc là, vous voyez, ça s'appelle Love Thunder Dragon, voilà, hein, pour les gens qui connaissent pas, bande d'un culte, non je déconne. On va casser ça, on va le repousser là où il était, c'était pour monter parce que comme je suis un pauvre et ben voilà, j'ai pas de repère pour pouvoir me TP là-dessus. Non mais sans déconner, là on est sur mon serveur, donc le serveur ouvert public est fermé et tout, donc voilà, on a préféré faire un autre truc, enfin j'ai eu l'idée de faire un autre truc. En gros bah j'ai invité plein de personnes, on est 5. C'est pour ça qu'il y a 5 places normalement. Mais en fait on est 5 normalement. Enfin il y en a la moitié qui joue pas. En fait ceux qui rush le jeu c'est moi et bah DJ Stars, mais je vais StarScraft, mais je vais l'appeler Charm. Comme c'est son vrai nom. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, on est au spawn. Enfin attends, vous allez spawner autre part, mais moi je crois que vous spawnez par là-bas, mais je vous ferai faire autre chose. J'arrive. Ah ok, bah vas-y, je t'attends. Bah je fais vite un petit peu. Donc ici c'était notre départ, on a commencé avec avec Théo Bartucar et tout, on a commencé ici. Ça c'est DJ Stars qui a fait ça, l'usine à poulet, mais qui est pas encore fonctionnelle parce qu'il manque du poulet. Oh les poulets dans les stands, je vais la détruire ce truc, c'est trop chiant. Ça c'est Love Thunder Dragon, ça c'était les mines. On l'a fait Thunder Dragon il y a 2 jours. Ça c'est le beacon que je viens de placer tout à l'heure. Il y a Speed dessus. Là c'est la maison de gitan de Charles. Oh la flemme de faire une maison. Ici ah ouais, c'est l'écurie que j'ai pas encore. C'est l'écurie que j'ai pas encore. Fini, voilà, il manque tout ça à faire. Donc voilà, il y a mon cheval que j'avais avant. Ça c'est la maison à Tatin. Et la grosse baraque là de PGNM, c'est la mienne. À moi et à Dylan, à The Dylan 28. Donc bienvenue chez Flaky Boys The Dylan 28. Pour toute question, on a un 1.8 en vanilla. Donc voilà. Voilà, ici c'est une nouvelle coffre, mais j'ai rien du tout. Ici c'est juste une maison histoire de. Parce que c'est quand même bien d'avoir un petit village et tout. Voilà. Hello to you. Donc voilà, donc maintenant je vais avoir la plus grosse partie. Hein, un Charlot. Attends-moi. On va faire voir c'est qui les PGNM sur ce serveur. Ah, le beacon, tu l'as mis en speed. Puis j'ai loupé le zombie, c'est en mode fail. Donc voilà, on arrive dans le Nether, on a fait un petit hub. Bon, il est pas encore full fonctionnel. Enfin, ça, on a aménagé notre couloir à nous, enfin que j'ai aménagé. Ouais, exact. Non, le mannequin. Putain. Ah putain. Donc voilà, donc avant d'y aller, ici c'est mon portail, ça c'est là-bas, c'est le port. Vas-y, j'étais même plus dedans, ça sert strictement à rien. donc je vais vous faire visiter un petit peu. Là bon bah c'est l'end. Bon là-bas vous pouvez aller dans l'end. On a fait le tour du Nether hier, c'est ça Charles? Ouais hier. On a fait le tour du Nether hier, donc on monte par là, voilà. Je pense faire une farm à Pigmen là-dessus. Ça pourrait être. Ouais. Je vais la faire bientôt. Je sais pas si je la filmerai ou si je filmerai pas, mais je pense pas que je vais filmer parce que ça prend trop de temps. En fait, en ce moment, je fais que de jouer sur mon serveur parce que les autres serveurs PVP ça m'a cassé les couilles. Ouais. Hein, Charles? Ouais, c'est clair. Puis là, on est entre potes quoi. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, on arrive chez moi. Enfin, non, enfin oui, vous pouvez le voir, mais vous connaissez pas. Donc voilà, avec les nouvelles. Comment ça s'appelle déjà ça? J'ai un trou de mémoire. Bannière. Voilà, avec les nouvelles bannières, on peut faire des trucs swag. Donc j'ai fait ça avec. En tête de guest pour le Nether. Ah mais qu'est-ce qu'il fout là mon chien? Le mec il rentre tranquille dans chez moi, il s'assied sur la table. Ah bah bravo hein. Allô quoi. C'est bon quoi, bah voilà, on arrive ici, c'était ma première maison que j'avais fait, enfin ma deuxième maison je veux dire. Donc ici on arrive, voilà, un petit peu de déco, il y a des water. Ah il y a des water pressing, voilà. Il y a un peu de tout, voilà. Ah, tiens on va prendre une under. Enfin 15 d'underpearl. Voilà, il n'y a pas grand chose. voilà, j'ai des underpearls qui restent là, j'ai ma pichenette, c'est pour mes pour les comment ça s'appelle, pour tout ce qui est mob et tout, pour les loot. Bon bah ça c'est au dessus, c'est pas encore bien aménagé parce que je trouve que c'est des, je sais pas quoi mettre dedans. Ouais, c'est clair. Donc ça voilà, c'est mon beacon que j'ai fait
il peut tout. Enfin, j'ai mis le plus gros truc que je pouvais faire. Donc voilà, c'est Beacon. J'ai fait une petite déco autour. Voilà, c'est sexe. Et pas mal, ouais, pas mal. Ici, c'est le terme. Ici, voilà, c'est ma ferme, ma mob, enfin mon élevage. Mais Charles, il m'a tout pillé. Ouais, ça, je lui ai piqué un peu de mouton. J'avais envie de faire un bon petit méchoui. Du coup, je lui ai piqué un peu. Ici, là, c'était ma ferme à poulet. Mais il y a un mec, je suis pas sûr savoir qui est venu, qui m'a buté tous mes poulets, ce juif. Donc, sinon, voilà, regardez, c'était une ferme à poulet qui marchait très bien. Ici, là, on descend, c'est chez WAM de mes cultures. Voilà. Il y a pas grand chose parce que je m'en occupe pas trop. Ouais, bon. Vous voyez, j'ai un manard pour le faire pour moi. En mode PNJ. Voilà, après en dessous c'était mes mines pour aller. J'ai fait spawn les wizards là-dedans. Donc ça c'est plus simple hein, quand tu les faire spawn en grotte. Voilà, c'est vraiment plus simple. Tu peux faire que les tuer, enfin les toucher. Ouais, parce que moi je les touche. Oui, donc là, comme vous pouvez le voir ici maintenant. Voilà, regardez, on voit DJ Stars en dessous. Coucou. Voilà. Bon, ici je vais vous faire voir un truc. Alors je regarde s'il est ouvert. Ouais, mon passage est ouvert. Bon, là-bas c'était un bouton pour appuyer, mais voilà, il est pas du tout secret. Enfin, si vous cherchez un petit peu, vous allez voir qu'il est pas du tout secret. On va essayer de cacher ça. Voilà, hop, j'ai remercié. Voilà, ici c'est mes coffres que j'ai pas encore tout rangé. Enfin, vous pouvez le voir en fait, là c'est vraiment les trucs que je stocke, que j'en ai marre d'en avoir dans mes coffres du haut. Enfin, c'est des trucs inutiles quoi. Enfin, voilà, c'est des trucs inutiles. Voilà, c'est des trucs inutiles. Ici, ça c'est mon popo. J'avais fait des trains, j'ai des invisibilités pour Troll Charles. Putain, mais l'autre il m'a cassé quoi. Ah, il m'a pris les Netherwart. Donc, je vais vous faire voir aussi. Ça, c'est un truc. Ça, voilà. Si vous voulez avoir un tuto de comment le faire, vous le dites. Et, ou sinon, vous allez voir la vidéo de Juju sur Holycube. Non, appuie pas, tu vas tomber dans le truc, dans les soupes de chèvre. Après tu vas être obligé de tout casser pour rentrer. Voilà. Bon, voilà, ça si vous faites tomber, voilà. Après il y a le passage secret où j'aurai mes farms à moi. Enfin là, mes farms voilà, mes petites farms posées. Et le zombie bien sûr qui n'est pas encore opérationnel. Ouais, et le zombie il va arriver par là, voilà. Ici c'est les squelettes. Bon, les pixel art sont pas très bien faits hein. Là j'avais envie de faire un nez avec le zombie, voilà, il est en mode content. Enfin bref. Voilà, les squelettes ils arrivent, ils spawnent ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah voilà, ils vont arriver. J'en ai fait spawn. Bon voilà, regardez, ils vont arriver bientôt, vous les entendez je crois. Ils vont arriver, ouais. Là, vous tapez. Oh. Merci, franchement, merci. Là j'ai Terminator, bon c'est mon épée que j'utilise pour PVP, pour m'amuser, enfin pour buter les mobs, ça va vite. Looting 1, Sharpness 2, Fire Aspect 1, j'ai Punchline, je l'ai eu level 18 ça. Enfin et après j'ai rajouté une Breaking 3, Affinity 1, mais sinon tous les autres trucs j'ai eu. Voilà, comme vous pouvez le voir là il y a les squelettes qui arrivent et après vous avez juste à les frapper. Hein. Aïe. Voilà et après ça arrive ici, voilà ça arrive en masse. Ouais, voilà. Je prends les flèches vu que t'as Affinity. Ouais, bon, ouais, tu peux les prendre. Voilà, après j'ai je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais j'avais rien, je savais pas quoi mettre. Donc, Endbreaking 3, Fortune 2, FNC 4. Après, bon, j'ai ma diamond qui est Endbreaking 1, FNC 1. Faudrait que je me refasse une pioche, tu vois, mais en mode grosse. Genre comme la mienne. Et alors là, mon stuff. Touk. Charles, tu vas te dégoûter. Quoi? Mais hier soir j'ai joué. Non, vas-y, espèce de juif. Vas-y, s'il te plaît, réactive. Là, tu vas être dégoûté, tu sais pourquoi? Parce que je suis full P4. Bah écoute. Voilà. Donc, je suis full P4 avec mon diamond helmet. C'était ce que j'avais en tout premier. J'avais à quoi Affinity 1 et Respiration 3 P3. Donc, c'était simple après avoir un P4. Ça, j'ai refait un enchantement dessus, level 30. J'ai eu ça. Ça pareil, et ça j'avais que des striders et protection 2, donc je fais là. Donc je vous ai un peu tout montré. Voilà, regardez, vous restez AFK là, vous avez des XP en masse, tranquille, mais je préfère prendre punchline, c'est mieux. Charles, tu vas vite rouvrir s'il te plaît. Non, pourquoi? Parce que je suis pas content. Non, j'étouffe parce que je suis gentil. Ow, punaise. Oh, attends, montre, attends, Endermite. C'est mignon.
Ouais, non, c'est quand tu respawns avec l'underpearl, ça fait ça. Bon, maintenant, on va aller visiter chez toi, meuf. Mais oui, bien sûr. Alors, course à l'underpearl, bah, je suis en haut. Non, je vais retomber. Je suis dans ta mouille. Eh ben non, bitch. C'est toi, je suis dans ta mouille. J'ai cru que t'allais prendre dans les packs, mais non. Donc on va arriver chez DJX12. Donc moi j'ai fait un petit parc, voilà, Charles il trouve ça dégueulasse. Enfin c'est provisoire. Hein. Oh, pff, c'est pas que c'est dégueulasse. Ouais, ouais, il a peur avant il pouvait me mater en train de prendre ma douche, et là il peut plus, c'est pour ça. Wow. Hein Charles. Okay. Ouais. Donc là on arrive dans les maisons de gitans, voilà. Enfin, voilà, sans discrimination. Non, normalement il a fait ça pour un western, donc je trouve ça assez swag. Vous allez voir l'intérieur, enfin l'extérieur est pas très... Enfin, il n'y a pas de détails quoi sur l'extérieur. Surtout qu'il y a un beacon à laser comme toi. Attendez, on va y aller. Voilà. Voilà, c'est mon beacon. Zebi. Ici, bon, c'est des plantations en armol. Après, on descend par là. Faire le chinois à un moment donné. Voilà, on arrive ici. Donc, comme vous pouvez le voir. Ça, il a fait un petit restaurant, normalement ça il voulait faire un restaurant western et tout. Tu peux leur montrer le... Tu sais quoi Charles ou... Bah ouais, attends. C'est secret défense. Voilà, bon lui par contre, comme vous pouvez le voir, c'est un farmer de livres. Putain, j'ai presque un double chest de livres, sérieux. Donc voilà, ouais. Et, voilà, regardez son stuff. Enfin, il a piqué mon stuff en plus, mon protection, hein, connard. Non. Si, tu m'avais piqué mon stuff, tu m'as dit... Au fait, tu t'es pas fait de cookies. Ah non, parce qu'il fait les graines de cacao. Mais non, c'est pas les cookies, tu parles de... Oui, ouais, de la... Ouais. Le gâteau, non, faut pas de graines de cacao, mais faut des œufs. J'ai pas d'œufs encore. Ok, bon, je vais vous faire voir un truc. En mode stationnaire ouvert, attends, je vais essayer de le mettre. Voilà. Bon, bah, voilà, il arrive ici, là, vous faites... Bon, c'est le même système que moi, j'avais fait. Bon, bah, là, après, vous arrivez. En bas, je vais vous faire voir ce qu'il a en bas. Il a rien de très intéressant. Ouais. Ah, t'as rebouché ta pizza, Charles. Non. Ah ouais, elle est où? Bah si, t'as rebouché. Avec du quartz. Non. Attends, je... Ah non, c'est qu'il y avait un... Il y avait un bloc devant. Tu pouvais pas monter. Ouais, donc voilà, il a fait un truc sec des pulls. Ah oui, parce que j'ai changé. Ouais, j'ai changé ma source d'eau. J'ai... Ouais, faut que je remette une source d'eau. Voilà. Donc, là, on va remonter. Pff, le truc très relou. Ouais, ouais, bah ça... pas fait d'ascenseur encore. Oh, faut que j'en fasse un minecart, mais bon. D'accord. Voilà. Donc on arrive ici et après bon bah la sortie. Hein. Il faut scrouiller parce que ça ouvre sinon aussi tu... les trappes. Sinon tu suffoques. Voilà, ça ouvre aussi les trappes. Ouais, donc voilà, c'est tout. Ah, je vais vous faire voir aussi au pire. Ouais, bah je vous ai tout fait voir. Je pense que voilà, je vous ferai d'autres vidéos avec DJ Stars ou avec quelqu'un d'autre. Ouais. Quand ça, je sais pas. Enfin, ouais, enfin, quand je sais pas encore. Parce que comme il y a les cours qui ont repris et tout, c'est. Ouais, c'est les bouchelles. En plus, moi, faut que je me concentre pour ma troisième parce que après, j'ai le brevet. Et oui. Avec Charlot, on joue un petit peu le soir, voilà, histoire de. Mais on joue pas genre jusqu'à 4h du matin et tout. C'était l'ancien temps, ça. Ouais, c'était pendant les vacances, quoi. Sur Universe Action. Et ouais. Ouais, donc voilà. Au pire, non, Charles, enfin, je sais, j'aurai peut-être un serveur que Charles, tu as peut-être aimé. C'est un serveur. C'est le truc du HM? Non, mais non, ça, c'est une map. Il y a un truc que tu vas bien aimer, c'est un serveur où en gros tu choisis ta raid, tu choisis ta... comment ça s'appelle, t'as trois camps par exemple, je crois que ça s'appelle des camps, non des alliances, voilà, t'as trois alliances, t'as l'alliance je sais plus, c'est des noms bizarres, et en gros t'as la rouge, la bleue, la verte ou la jaune, je sais plus c'est laquelle, la verte ou jaune, mais en gros t'as des couleurs qui correspondent aux camps, en fait les camps en fait c'est des factions, et quand tu rentres dans une faction, bah en gros tu fais ta ville avec les gens de la faction, tu PVP entre alliances, tu peux faire des alliés entre les alliances, enfin tu peux faire plein de trucs. Ah c'est cool. Ça peut être cool, enfin c'est comme un peu Nation Glory sauf que c'est en bah sans mode et tout. Il n'y a pas de mode.
Sur Nation Glory, pour en parler, je ne fais plus vidéo. Enfin, je ne joue plus depuis je sais pas combien de temps parce que. Voilà. Pas envie, flemme. Ouais, donc voilà, je sais pas quoi. Que dire de plus, Charles? Oh non, on a tout dit. Ouais, comme vous pouvez le voir, j'ai changé ma bannière de YouTube. qui a un sexe à pile. Je vais bientôt avoir un nouveau logo aussi. Alors, vous allez voir la vidéo, j'aurai un logo la semaine prochaine. Si tout se passe bien. Ouais, si tout se passe bien. Ouais, je sais pas quoi dire de plus. Non, bah, je crois que t'as tout dit aussi. Ouais, j'ai tout dit. Attends, mais en fait, j'ai un truc là qui me trotte dans la tête, je suis sûr, mais je l'ai oublié en fait. De ce que je voulais dire. Au pire, dans la description. Ouais, Ouais. Je pense que ouais, j'ai tout dit. Enfin, je sais pas, je verrai, vous direz là dans la description. Et voilà. Et toi, Charles, t'as des trucs à ajouter sur ta chaîne, des trucs comme non, ça. Bah, moi je dis peace quoi. Ah oui, donc voilà, ça vient de me revenir. Donc je parlais des vidéos sur le serveur. Et donc il y aura peut-être des vidéos, voilà, je vous ferai voir l'avancée du serveur, de la construction, on fera un petit peu de construction, du système redstone, on sait jamais. Je pourrais pas filmer la farm à pigment parce que ça prend tellement de temps à faire. Et il faut que d'abord que je fasse aussi un croquis, enfin sur mon. Enfin sur une app solo. Enfin un croquis, une machine quoi, une invention à faire. Parce que moi j'aime pas faire les machines des autres parce que je trouve, enfin après je me souviens jamais comment faut les refaire. Donc en fait moi j'aime bien inventer des machines. Donc, voilà. C'est ouais complètement... parce que des fois c'est chiant, tu dois regarder la vidéo, t'arrêter, faire. Ouais non ouais, et quand tu l'inventes toi-même après tu sais tout le temps la refaire après. C'est surtout que si tu connais le mécanisme, c'est simple, en créer une. C'est juste ouais, qu'après ouais, elle sera juste... pas forcément compacte ou tout comme ça. Ouais voilà. Et après ça on s'en fout. Voilà, voilà. Et il y aura aussi des pranks. Quand je vais pranker Charles, Charles il a déjà été pranké 3 fois. Alors, une fois où je lui ai foutu des arbres de partout, il avait encore aucune base. Enfin, il avait juste des coffres posés par terre. J'avais pranké de partout. Et ça m'a fait du bois. Eh oui! Bah ouais, c'était simple avec tous les arbres qu'il y avait dans tous les alentours, les acacias, oh. Les gros arbres qui sont. Le 4, là, pas les jungles, les trucs forest là. Ouais, les quoi. Voilà, ah, ceux-là, qui est là, je suis devant. Ceux-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ouais, je lui avais fait aussi Skrillaz avec les portes. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, avec les portes, en gros, j'avais foutu des. Comment on appelle ça? Des comparateurs. Et vous savez, avec les comparateurs, on peut faire plusieurs. Défiler plusieurs. YOLO! JJ! ouais, moi, par rapport aux achievements. Eh ben, moi, j'ai presque. Moi aussi, il faut juste que je parcours 1 km en rail. Ouais. Enfin, ça va être tranquille, j'ai un stack de rail, donc ça va être bon. Ouais. Bah, par contre, après, il y a découvrir tous les biomes, ça, ouais, ça va être chaud. Ouais, il y a aussi, faut que j'envoie les fireballs, ouais. Faudra qu'on fasse ensemble ça. Comme ça, on partira. Ouais, la boule de feu, ouais, il y en a. Et ouais, moi, il manque plus que de l'ail, et c'est bon. On a presque tout fini. Qu'est-ce qu'il faut que je dise encore en plus? Ouais, donc il y avait les pranks, donc j'ai fait Skrillaz. Après, je lui ai fait un piège à popo. En fait, il avait laissé un seul coffre en dessous, enfin là où il est à son premier plancher. Il avait laissé juste un seul coffre, il y avait de la bouffe dedans. Et moi, en fait, je l'avais mis trapé de chaise, je l'avais retourné pour pas qu'il voie le petit cache rouge. Et si je l'aurais pas vu de toute façon. Ouais, j'aurais dû. Ouais, en plus, j'ai mis un item frame devant pour faire genre comme quoi. Bref. Et en fait, il était ici, là, son machin. Là, à la place, bah, la place du coffre voilà, qui est là. Et en gros, je lui avais fait un. Ici, juste en dessous, j'avais mis un dispenser avec des popos de poison et tout le bordel. Ouais, ouais. Enfin, bref, voilà. Donc, il y aura des pranks. Après, je sais pas si toi, Charles, tu vas me prank ou si tu vas filmer sur le serveur. Je pense que toi, tu vas te recréer une nouvelle chaîne, non? Ouais, dès que j'ai mon pote qui va avoir son nouveau PC. De toute façon, je dirais dans ouais, ma chaîne. Au pire, ouais, non, mais au pire, tu te. Enfin, je sais pas, au pire, tu t'en fous. Au pire, après, tu revais avec lui. En attendant, tu vois, tu fais des vidéos avec. Tu fais des vidéos tout seul, tu expliques pourquoi. Ouais, t'inquiète. Enfin, au pire, tu renames la chaîne et tout. Enfin, tu gardes tes abonnés, quoi. C'est ouais, je pense que je renais ma chaîne, je sais pas, je verrai avec mon pote, on verra.
Ouais, voilà. On verra, on verra. Ouais, et Charles, en fait, si des fois, voilà, on dit des trucs, des mots doux, tu vois. Hein, Charles. Oh, ma quenelle dorée. C'est pourquoi, c'est parce qu'on se connaît en IRL. Si, si. Voilà, on est dans le même collège et tout, enfin. On tape des bons délires des fois. Même si on traîne sur. Enfin, on a traîné toute l'année dernière, voilà, ensemble. On vous raconte un petit peu notre vie, voilà. Tranquille, si. Et en fait, bah, maintenant, on traîne. Enfin, on traîne plus ensemble, mais on se croise dans la cour de récréation, hein. Parce que nous, on se voit à la marelle. Hein. On se voit à la marelle. Voilà, voilà. Donc, que dire de plus ouais, oh, motherfucker, il y a un guest. Il va lui renvoyer ça. Non, non, je l'ai tué. Et putain, fuck. Donc voilà, donc je vous dis. Ah oui, attends. À chaque fois, j'ai envie de les quitter, mais il faut que je rajoute un truc. En gros, je voulais dire comme quoi. Merci, j'ai eu 40. Je suis à 44 abonnés maintenant. J'ai bientôt rattrapé la chaîne de Charles. Ouais, je ouais, parce que Charles, toi, t'as 49 abonnés, je crois. Ouais. Si la famille. Ouais, donc voilà, merci aux 44 abonnés, j'ai vu aussi que ma vidéo en face game, ça vous a plu, donc merci. Donc voilà, après il va y avoir d'autres vidéos qui vont arriver, mais si vous voulez, enfin ça va pas être le même temps que pendant les vacances, par exemple, avant je mettais par exemple, des fois deux vidéos par jour, une vidéo par jour, enfin une vidéo par semaine. Je pense que ça va être une vidéo par semaine, je pense que je vais essayer de rec le week-end au moins. Si je suis pas invité ou si je bosse pas, parce que après moi je vais avoir des stages comme je suis dans une classe voilà quoi. Qui est fait exprès pour ça s'appelle la DP6, donc découverte professionnelle. Ouais, donc voilà. Ouais. Donc voilà Charles, j'ai envie de dire un truc pour le mot de la fin. Bah non, j'ai rien à dire, hein. Peace. Peace and love. Puis c'est travail bien. Puis c'est travail bien. Donc voilà, ouais, donc ça va être la fin de cette vidéo pour de bon. Ouais. Et je vous dis bah à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense qu'il y aura la ferme à Pigmen qui sera déjà toute faite. Il y aura plein de trucs, je pense, qui auront changé sur le serveur. Comme on change. En fait, nous on est des putains de mineurs chinois. Donc, voilà. je suis encore en train de miner du quartz. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, et à plus pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Bye tout le monde.